Escrime, basketball ou encore tennis de table, les journées Handi Découvertes sont de retour au CDFAS d'Aubonne. Différents ateliers permettront d'associer le public valide et le public en situation de handicap autour d'activités physiques et sportives communes, notamment pour les jeunes élèves de primaire et du collège. Le meilleur moyen de sensibiliser aujourd'hui les générations à venir, c'est de très tôt leur apprendre à vivre à côté de gens qui ont un handicap, de partager avec eux. À cet âge-là, on ne fait pas la différence. Le petit garçon, la petite fille qui est à côté, c'est un petit garçon, une petite fille comme les autres. Les réflexes que l'on prend, le respect que l'on apprend, les règles d'égalité, on les apprend pour la vie. Les valeurs olympiques, ce n'est pas des valeurs que l'on utilise uniquement dans le sport, c'est des valeurs de vie. Les fondamentaux olympiques, ce sont des valeurs de vie et de vie au quotidien. Le comité départemental olympique et sportif du Val d'Oise et ERDF ont renouvelé leur partenariat. Ils ont signé une nouvelle convention ce lundi pour organiser la prochaine édition d'Handi Découverte. ERDF a choisi de s'y associer une nouvelle fois. Un stand dédié à l'emploi des personnes en situation de handicap sera tenu par des représentants des ressources humaines de ERDF sur place. À titre d'exemple, sur la plaque ouest de l'Île-de-France, nous avons 40 collaborateurs en situation de handicap et 10 d'entre eux habite le Val d'Oise. Parce que nous pensons qu'une personne handicapée, elle a peut-être un handicap dans un domaine, mais beaucoup de compétences dans d'autres domaines. Et grâce à cela, lorsque nous les intégrons, nous bénéficions de compétences que nous n'aurions pas eues par ailleurs. Handi Découverte aura lieu du 18 au 20 mai prochain au CDFAS d'Aubonne. Le dernier jour sera uniquement ouvert au grand public. C'est la 8e édition consécutive de cet événement.